Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo, je vais vous donner une astuce vous permettant de ne pas recopier intégralement du texte provenant d'une image, mais de automatiser cette tâche. À l'écran, j'ai récupéré un scan d'une image récupérant du texte m'intéressant, mais je souhaiterais, au lieu de le recopier intégralement sur Word, je souhaiterais trouver une astuce qui me permettrait de faire un copier-coller en sorte de cette image sur Word. Ce qui me permettra, convenez-le, de gagner un temps précieux. Alors là, j'ai une page, j'aurais pu avoir plusieurs pages, bien sûr. Alors, pour tout ce qui est graphique et images, vous ne pourrez pas utiliser l'astuce que je vais vous donner. Me semble-t-il qu'il y a des logiciels malheureusement payants sur Internet. Donc cette astuce est totalement gratuite. Donc je vais fermer cette image que j'ai appelée image 1. Je vais ouvrir Word et dans un premier temps, donc je vais ouvrir une feuille. Dans un premier temps, je vais faire une insertion d'image. Insertion dans le groupe illustration, image. Donc il est sur mon bureau. Donc je vais prendre cet appareil, bureau, et ici, l'image est ici. Donc là, bien sûr, c'est une image, hein, il n'y a pas de souci. La première des choses à faire est d'épurer ce compte. Donc je vais cliquer sur cette image et là, vous aurez un onglet supplémentaire, format de l'image. Donc vous cliquez dessus et là, je vais rogner certains points. Donc là, par exemple, ici, je vais enlever tout cela. Ici, je vais aussi épurer ce côté. Là aussi, hein, vous récupérez, hein, les bords en noir. Je vais aller un petit peu en bas, tout en bas. Hop, pardon. Hop, voilà. Je vais aller un petit peu en bas et je vais aussi épurer toute cette partie. Bon, si, alors, imaginons que je n'en ai pas besoin du paragraphe l'essentiel. Donc, je vais prendre uniquement cela. J'aurais pu le prendre, bien sûr, hein. Vous faites entrée pour valider et ici, vous allez, deuxième étape, cliquer sur Fichier et l'enregistrer en PDF. Alors, ce PC, ici, vous allez chercher PDF dans Type et je vais lui donner un nom, par exemple, test PDF. Je vais le mettre sur le bureau aussi, enregistrer. Donc, cette étape étant effectuée, je peux fermer ce fichier Word. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Là, je vais, donc là, mon PDF est ici. Donc, si je l'ouvre, hein, je vais l'ouvrir. J'ai bien un fichier PDF avec épuration. Donc je vais fermer ce fichier PDF. J'ouvre un autre fichier Word et je vais importer ce fichier PDF. Donc ici, je vais aller dans Fichier, Ouvrir, ce PC. Je vais aller sur le bureau. Fichier PDF, test PDF, il est ici. Et je fais Ouvrir. Alors là, Word est en train de convertir le fichier PDF, pardon, en fichier texte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et là, vous avez votre fichier Word. Je peux à présent apporter les modifications de mon choix. Par exemple, ici, je souhaiterais le mettre en gras, changer la police, par exemple en Aaroni, etc., etc. Donc, cela m'a évité de réécrire du texte via mon fichier image. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. À bientôt!